Ah bah tiens, petit tour de table pour savoir ce que vous avez ressenti, un petit dernier mot pour la fin. Sandrine. Ouais, moi j'ai été très très fatiguée par moment, ouais. Donc je pense que ça. Et puis beaucoup d'incompréhension, le mental ne le comprend pas. C'était OK, quoi. Voilà. Pour moi, j'étais dans l'acceptation de ça. Un peu comme Christophe disait, j'avais pas l'impression de me prendre des coups, mais vraiment l'impression de. Bon, ça ne me parlait pas au mental, quoi, en tout cas. Et en même temps, il y a eu des moments, je ne saurais pas dire quelles phrases ont provoqué ça. Mais où ça mettait de la vie et de la joie en moi, en fait. Voilà. Et donc là, je me sens moins fatiguée quand même et un peu plus comme si l'espoir naissait, en fait. Voilà, de pouvoir effectivement créer une autre réalité et arrêter d'écouter mes peurs et cette fameuse sécurité qui me ficelle. Je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est le mot qui m'est venu. Donc, c'est comme s'il y avait ouais, une porte qui s'ouvrait, en fait. Okay. Donc, c'était assez lumineux. Voilà, merci. Merci à toi. Qui veut prendre la suite? Au-delà de cette fatigue apparente, je sens de la libération. Je peux dire. C'est ça. Merci. Moi, Allez, moi. Ah, pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Honneur aux dames. Ben, moi, je me sens pas fatiguée. Peut-être parce que j'avais le mental au taquet, j'en sais rien. Moi, ça m'a parlé. J'étais assez présente à ce qui était dit. Et puis quand tu me parlais, ben, je posais mon stylo, puis je me disais, ben, je regarderai le replay pour revoir. Si quelque chose m'est passé à travers. Par contre, à la fin, est-ce que c'est le fait d'être assis puis un peu avachi en dessous du plexus? C'est pas, je sais pas quel, c'est vraiment en dessous là. Ok, C'était un peu coincé, quoi. Alors du coup, je me redresse droit pour voir si c'est encore là. ouais. Mais ouais. Autant la fatigue d'énergie, ça va. Mais ce truc à cet endroit-là, je sais pas trop. Enfin, ça. Deux, trois petits roues, puis voilà. Et voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a pas fatigué trop, trop. Ok. Ça m'a parlé pourtant. Hein, peut-être parce que j'ai déjà commencé à mettre en action des trucs et que du coup, c'est pas trop violent pour mon système. Je sais pas du tout si c'est. Chacun a sa réaction. Enfin, il n'y a pas de réaction type où t'es fatigué, ça veut dire que t'as super bien bossé ou peu importe. Ouais, non, il y a juste ça dans le vide qui est un peu bizarre, qui est vraiment plus bas que le Ouais. diaphragme. Ok. Processus d'intégration. C'est que je suis en train de descendre, c'est ça? Bah ouais, enfin pour moi c'est clairement ouais. Ah, ok. Bah, c'est cool. Après c'est un bon point de vue. Reste à savoir c'est quoi Ah, ouais, c'est vrai. le tien. Oh là là. Ouais, moi, j'en sais rien du tout. Ça va venir, je pense. Merci en tout cas. Julien? Alors moi, au tout début, ça m'a bougé beaucoup le cœur, au début de l'atelier. Et au milieu, en fait, je me suis endormi deux fois. Ouais. Ça a coupé. J'étais très fatigué déjà. Mais je pense que ça a mis mes résistances en pause. J'écoutais aux oreillettes, j'écoutais le truc, je suis revenu, j'écoutais un peu, je suis rendormi et là je me réveille, je suis plutôt joyeux. Donc Le mec, il a pioncé, quoi, j'y crois pas. je C'est vrai que t'as vais payé regarder le 40 euros pour ça, hein. T'as payé replay. 40 euros pour juste pioncer, c'est grave. Il y a le replay et puis je me réveille plutôt joyeux, donc je pense que C'est génial. ça a bossé dans mes oreilles, quoi. Ouais. Voilà, Bon, après, assez atypique mais rigolo. chacun utilise son argent comme il veut, il n'y a pas de souci. Merci. Qui veut passer? Moi, Christophe, ouais. ouais. Ouais, donc séance puissante.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de compréhensions de l'aide du mental qui sont apparues. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle boussole pour m'orienter. Et j'ai même envie de dire que si je suis prêt à ce que cette boussole se casse demain et qu'on passe à une suivante. Et il y a une phrase qui a résonné vraiment très fort, c'est le « c'est ok » en fait. Finalement, c'est ok. Ça va le faire, on avancera, voilà, comme tu dis, comme un être humain qui va expérimenter. Il y aura peut-être des glissades, il y aura peut-être des plantages profonds, mais quelque part, il y a comme un accord profond qui n'était pas là avant avec ça. Il y a comme une connexion avec une partie plus profonde qui dit, voilà, on va y aller, et puis là, il n'y a plus de soucis, quoi. Voilà, et puis merci à toi, et puis merci à tout le monde. Merci. Reste Sarah et Sabine. Alors Sabine, moi je suis plutôt en joie maintenant. J'ai beaucoup d'énergie. Moi je ne suis pas du tout fatiguée, je suis plutôt une pile électrique depuis tout à l'heure. Le cœur s'est ouvert, enfin, la structure a énormément bougé. Moi, je pense que je me suis bien ancrée. Là, je suis redescendue. Je le sens bien. J'ai aussi le point au niveau du plexus qui s'est ouvert et le cœur. Le cœur, il bat à plein truc. J'ai assimilé plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais c'est normal. Mais la structure, elle a bien bougé. Okay. J'ai pleuré à un moment, voilà, donc ça a libéré des choses aussi. Il y a encore des choses que je n'ai pas assimilées, je pense, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, merci beaucoup à tout le monde parce que ça me fait beaucoup de bien. T'es super discrète pour pleurer. Voilà. Alors moi c'est pareil, hein, très fatiguée, puis beaucoup de choses. Aussi le plexus qui y a un point, je dirais pas que c'est, je suis libérée, mais en tout cas je sens un point. Et je pense qu'il faut que je réécoute. J'ai encore beaucoup de, ça a du mal à rentrer, je pense. Ouais, mais c'est normal. De toutes les manières, exactement comme l'atelier du mois dernier, je vous l'enverrai dans la semaine par un lien privé YouTube. En tout cas, pour moi, ça a vraiment. J'étais dans une sale énergie, enfin, que je considérais comme une sale énergie au départ. Mais je me rends compte que ça a permis vraiment d'aller droit au but. Ce qui a provoqué sûrement l'effet machine à laver, parce qu'il y avait cette énergie qui était posée de mon côté en tout cas. Et j'ai eu aussi plein de libérations qui se sont faites de mon côté aussi. C'était vraiment, et là je me sens quand même un peu fatigué, ouais. Il y a un petit truc qui me dit d'aller de mettre sur pause tout ça et de penser à autre chose, d'aller me promener ou quoi que ce soit. Donc, il y a laisser passer. Enfin, moi, je sens l'envie de laisser passer quelques temps avant même de revenir, par exemple, sur la vidéo. Puis voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à cet atelier. Je vois que merci à toi. Je vois que je m'améliore de plus en plus, c'est cool. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous. Il y a un prochain atelier le mois prochain. Et j'ai une webconférence qui sera sur 4 heures. 3 heures, entre 3 et 4 heures en gros, sur l'ambition d'ailleurs, je crois. C'est ça. Ouais, sur l'ambition. C'est quoi la différence entre une webconférence et ce que tu fais là maintenant en atelier? Aucune, sauf le temps. Et il y aura beaucoup. Enfin, là, je donne un nombre limité de personnes. Enfin, j'accepte un nombre limité de personnes. Là, il n'y aura pas de limitation. Mais ce qui diffère, dans la méthodologie, c'est la même chose. C'est juste le nombre d'heures qui diffère. Parce qu'en webinaire, je vois que je vais vers les 3 heures facilement. Donc, je me suis dit, allez, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Sur ce. Je vous libère
C'était à quelle date? C'est le... Alors, attends, je vais voir sur mon site internet. Je crois que c'est le 15. Je te dis ça tout de suite. Calendrier. Donc, sur mon site internet, il y a vraiment, il y a un onglet calendrier 2020. Ambition 25 juin. Ambition réalisation de mes envies. Web conférence à 19h. Jeudi 25 juin. Ah bah je vais venir et pas te payer, ça me fera une tête. Comment? Je vais venir et pas te payer. Non. Tu pouvais choisir quelqu'un d'autre pour expérimenter, je pense qu'il a pris ce qu'il est. Genre là, tu m'imposes un truc qui me concerne et en plus tu me dis bon bah je vais pas te payer donc je serai en dette, c'est cool. Je dis non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'était bien essayé. Ouais. Ah non. Ça là c'est inflexibilité. Autant j'écoute, autant là je suis net. Non. Faire de répartie, Julien, quand même. Va pas assurer. C'est d'un commun accord. Je vous en me coucher. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Salut. 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 Ouais, au revoir. Au revoir.